à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis pas maquillée, désolée, mais c'est vrai que j'ai pas envie spécialement de me maquiller quand je fais des vidéos si je suis pas maquillée. Donc voilà, désolée, mais bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je viens par cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année 2021. Je sais qu'il y en a beaucoup cette année qui n'ont pas l'envie qu'on souhaite une bonne année vu comment cette année s'est déroulée. Mais j'ai envie de dire, dans chaque année, il y a des galères, il y a des trucs, des bonheurs, des malheurs. Bon, j'avoue que cette année a été compliquée pour tout le monde, vu le Covid, la crise sanitaire actuelle. Mais bon, on va espérer mieux, même si moi, je sais qu'aussi, au fond, je pense pas que cette année sera mieux. Mais bon, on va croiser les doigts, on va faire attention comme moi, je fais attention. On va dire, mais bon, voilà, je voulais quand même vous souhaiter une bonne année 2021. J'espère que tous vos projets, tous vos rêves, tout ce que vous espérez se réaliseront. J'avoue que souvent on dit c'est quoi les résolutions pour la nouvelle année. J'avoue que moi j'en fais jamais. Parce que faut prendre la vie comme elle vient déjà. Et puis en général, quand on fait des résolutions, on les tient jamais. Donc voilà. Ma seule résolution, ça serait d'arrêter d'être trop gentille, d'arrêter de courir après les gens parce que je me rends compte qu'on ne court pas après moi. Donc voilà, arrêter de donner à sens unique aussi. Parce que je me rends compte que moi, les gens me manquent, mais que moi, je manque à personne, en gros. Voilà, arrêter d'être trop gentille. Là, franchement, c'est vraiment le truc que je veux faire cette année. Parce que j'ai trop souffert pour les gens, en fait. Beaucoup trop. Voilà, je veux plus me fixer sur moi, ma famille et le reste, voilà, j'ai envie de dire, voilà. Voilà, moi, ma seule résolution, c'est ça, on va dire. Et c'est aussi, voilà, cette année, c'est vrai que je vais essayer de moins, bah, déjà, si, même si vous vous êtes peut-être rendu compte que dans cette année, que j'ai beaucoup moins dépensé, que j'ai beaucoup plus, voilà, je veux liquider mes stocks déjà. Et puis bon, j'ai d'autres projets aussi. Donc là, le projet qu'on fait, c'est comme je vous ai dit, on faisait des travaux dans la maison. Donc voilà, là, c'est vrai qu'on aimerait vraiment la finir. Donc cette année, ça va être ça. Ça va être finir les travaux, acheter tout ce qu'on a acheté pour la maison. Comme je vous ai dit, là, c'est finir mes stocks. Je ne dis pas que je vais rien acheter. Parce que rien acheter, c'est impossible non plus. Mais je vais beaucoup, beaucoup encore plus diminuer mes achats. Donc voilà. Et après, j'ai pas d'autres résolutions ou autres. Après, j'avoue que c'est aussi... là, vous voyez, ça fait 2 jours où je suis vraiment pas en forme. Je sais pas ce que j'ai. Pourtant, à chaque fois, on fait des examens, il n'y a jamais rien. Donc, je sais pas. Des fois, j'ai des migraines, mais vraiment très glaces. Vous voyez, hier, c'était migraine où vraiment... des bonnes migraines où vraiment je suis une loque quoi, en gros c'est ça, une loque. Donc je sais pas d'où ça vient, pourquoi j'ai ça, ça me saoule. Donc voilà, c'est vrai que depuis que j'ai eu mon deuxième fils, ma santé n'est plus au top comme avant, alors que quand je fais des prises de sang et tout, tout va bien, donc je comprends pas. Donc voilà, mais bon, moi je le sens que mon corps n'est plus le même, mais bref. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour vous souhaiter la bonne année, pour vous dire un peu moi ce que... Après, niveau de ma chaîne, dites-moi en commentaire si il y a des vidéos que vous aimeriez voir, si vous aimeriez voir des changements et autres, parce que je me rends compte qu'aussi ma chaîne en ce moment, je sais pas, c'est YouTube qui a changé, vu que moi je fais moins d'achats, ça plaît moins, vu que j'achète pas les dernières palettes qui sortent ou les dernières choses qui sortent, du coup, bah, ça plaît pas, on va dire. Mais voilà, j'ai pas envie d'acheter pour acheter, j'ai pas envie d'acheter pour faire des vidéos. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi j'achète, c'est ce que j'ai envie d'acheter, c'est ce que j'aime. Je vais pas acheter juste pour acheter. Donc voilà. Donc moi les prochaines, voilà cette année dans ma chaîne, c'est vrai que je vous avoue que j'avais envie d'arrêter parce que c'est démotivant quelque part. On me dit on fait ça pour soi, d'accord. Mais de ne pas avoir de vues, de commentaires ou très peu et pas avoir de reconnaissance, c'est un peu, voilà, c'est du boulot quand même de filmer. De monter, même si souvent vous entendez mes enfants, bah justement, vous voyez, je filme alors que voilà, je devrais être avec mes enfants, ou bon, c'est pas je devrais être avec mes enfants, je suis avec mes enfants,
Mais voilà, ça prend du temps de filmer, de monter, de mettre sur YouTube, de voilà, c'est quand même un temps que je pourrais faire autre chose, on va dire. Du coup, c'est vrai que c'est un peu décevant, je le trouve, donc voilà. Après, je sais que mes vidéos, comme vous voyez, là, je suis en naturel. Ça me représente moi, je vais pas me maquiller juste pour faire la vidéo, j'ai pas envie en fait. Donc quand je suis maquillée, quand je suis pas maquillée, vous me voyez pas maquillée en fait. Voilà, j'ai pas envie de me forcer en fait. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo un peu blabla de bonne année vous aura plu. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Enfin, en tout cas, j'espère que vos projets se réaliseront cette année. Quand même, qu'on vivra une année un peu meilleure quand même. Voilà, parce que j'avoue que moralement et tout, c'est pas évident. Puis bon, j'avoue que c'est pareil, les gens qui respectent rien, moi ça me gonfle, sérieusement. Ça me gonfle sérieux, c'est on en est là, c'est à cause des gens comme ça, hein, j'ai envie de dire. Vous voyez, nous, au jour de l'an, on était tous les quatre, on a vu personne. Moi, ça fait un an que j'ai quasi vu personne. Oui, ça me manque de voir mes amis, de voir mes proches et tout, mais je respecte en fait. Et puis j'ai pas envie de refiler ça à quelqu'un de mes proches. Donc ouais, il y en a beaucoup qui respectent pas et c'est dommage, voilà. La fête, on aura le temps de la faire, j'ai envie de dire. Justement, on la fera encore plus grosse après. Et puis voilà. Mais bon. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous bisous. Bye bye.